faut que tous les gymnastes prennent leur marque sur ce nouveau code de pointage. Cela fait maintenant un peu plus de 6 mois qu'ils travaillent âprement sur le sujet et ça commence à venir, mais les notes, elles, ne suivront que très progressivement au fur et à mesure que le cycle olympique va s'avancer. Sylvia Henry, au cerceau, une jeune gymnaste. Vient de Montpellier. On le verra tout à l'heure, Patrick, au niveau de la note, beaucoup de choses ont changé en gymnastique rythmique puisque les jeunes filles sont désormais notées sur 30 points avec trois jurys donc, qui vont évaluer la valeur technique, la valeur artistique et l'exécution, chacun sur 10 points. Tout cela pour faire une note partant sur 30. Et c'est vrai que la gymnastique rythmique est un petit peu orpheline après le départ d'Eva Serrano, mais il y a quelques candidates à sa succession. Rappelons qu'Eva Serrano était blessée l'an dernier au championnat de France à Perpignan et que c'est donc Aurélie Lacour que nous allons suivre vers la fin de ce court passage de gymnastique qui détient le titre de championne de France.